Bonjour à tous, c'est Soussou. J'espère que vous allez tous très très bien, les amis. Écoutez, moi ça va. Mince, j'ai pas mis le téléphone en silencieux. J'espère que vous allez tous très très bien les amis, écoutez, moi ça va bien comme d'habitude, hein. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera tout simplement un nouveau tuto vous permettant en fait de faire un montage vidéo sur PC. Vraiment, ça veut dire en gros musique, effets vidéo, vraiment tout ce que vous souhaitez. Un montage de A à Z super sympa, vraiment super facilement. J'espère évidemment que le tuto vous plaira. Le logiciel se nomme tout simplement Filmora. Là vous allez peut-être me dire pour certains, oui mais ce tu as déjà fait une vidéo avec ce logiciel. Oui c'est vrai, la vidéo a fait pratiquement 70 000 vues, je me suis dit bon, c'est une vidéo quand même plutôt intéressante. Malheureusement entre temps il y a eu, enfin malheureusement, heureusement plutôt entre temps il y a eu quand même pas mal de nouveautés sur le logiciel, donc je me suis dit bon, ça peut être sympa, pourquoi pas, de vous refaire une vidéo. Mais aussi également par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a à peu près un an, il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas dit, donc je me suis dit bon, ce soir tu vas tout simplement refaire le tuto et j'espère évidemment que celui-ci vous plaira. On se retrouve dans 2 secondes sur mon PC. Allez, à tout de suite. On se retrouve maintenant les amis tout simplement sur mon PC, donc maintenant on va tranquillement lancer le petit logiciel de montage. Allez hop, c'est parti maintenant, je pense que vous le verrez vraiment très très bien. À chaque fois en fait que vous lancerez ce logiciel, vous aurez à chaque fois 2 solutions. La première solution qui est le mode simplifié, vraiment son nom veut tout dire, c'est clairement le mode le plus simple et le plus intéressant. Évidemment je vais un peu vous le présenter, mais je pense que pour vous faire un petit résumé, vraiment vous allez tout simplement mettre en l'espace de 5 minutes les vidéos, les musiques, l'effet spécial, des images, vraiment tout ce que vous souhaitez. Et en l'espace de même pas 5 minutes, vous aurez évidemment terminé, ce qui est super intéressant pour les personnes voilà qui ne s'y connaissent pas. C'est pas spécialement, pardon, pour les personnes voilà qui voudraient faire peut-être quelque chose d'assez rapide. Également aussi le mode avancé qui est un petit peu plus expérimenté. Moi de mon côté c'est celui-ci voilà que j'utilise, hein, c'est un petit peu évident et je peux vous assurer qu'il est également super simple à utiliser. Il y a vraiment beaucoup d'options et vraiment moi je l'adore, donc évidemment je pense que vous allez également l'aimer. Je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc pour commencer, on va commencer par le commencement qui est le mode simplifié. Allez hop, c'est parti. Donc là je pense que vous le verrez vraiment très très bien. Pour commencer, la première demande de Filmora sera de mettre en fait les fichiers médias. Donc ça peut très bien être pourquoi pas des images ou des vidéos. Moi de mon côté je vais mettre une vidéo sur le jeu Forza Horizon 3 ou même pourquoi pas 2 vidéos, voilà, pour vous montrer un petit peu que une vidéo, 2 vidéos, 5 vidéos, 10 vidéos, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à tout ça. Mettez vraiment ce que vous souhaitez. Donc hop, 2 vidéos, allez hop, c'est parti. Maintenant une fois que vous aurez bien mis les vidéos et les images, vous allez tout simplement cliquer sur suivant qui est juste en bas à droite. Et maintenant une fois ici, on vous demandera en fait tout simplement de mettre entre autres le thème que vous souhaitez. Donc pour commencer, le thème simple, hein, ça veut dire en gros qu'il n'y aura pas de thème ou d'effet spécial dans la vidéo. Ou sinon voilà, si vous souhaitez peut-être, je ne sais pas, le mode joyeux. Donc je vais un peu vous présenter à quoi ça ressemble. On va couper les sons quand même maintenant. Alors là je pense que vous le voyez bien, vraiment voilà, le mode joyeux c'est un effet on va dire un petit peu comme ça, avec des étoiles, avec on va dire un petit fond également assez spécial également. Donc ça peut être intéressant. Moi je propose pourquoi pas voilà de le mettre, hein, ça peut être également assez intéressant de vous montrer un petit peu quels sont les effets, etc, etc. Donc évidemment vous avez également d'autres effets comme le sport, comme les vieux jours, hein, c'est un petit peu ancien, les voyages, pourquoi pas aussi l'amour, hein, ce qui est également super intéressant. Donc hop, suivant, allez hop, c'est parti. Maintenant une fois ici au niveau de la musique, hein, vous aurez pour commencer une liste de musique vraiment déjà sur le logiciel, donc ça peut être intéressant. Ou sinon évidemment vous avez tout simplement les musiques que vous allez mettre vous même donc vous avez tout simplement à cliquer sur le petit bouton qui est juste ici et voilà, évidemment vous pourrez mettre la musique que vous souhaitez, pas de soucis par rapport à tout ça. Donc moi de mon côté je vais mettre une musique vraiment totalement au hasard, pourquoi pas celle-ci, ça peut être intéressant. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc évidemment si je ne l'ai pas, elle se téléchargera, hein, pas de souci par rapport à ça, c'est vraiment assez rapide. Maintenant une fois que vous aurez bien fait tout ça, ce sera l'heure du rendu. Alors le rendu c'est pas vraiment le rendu officiel, c'est tout simplement en fait le rendu de ce que vous venez de faire. Donc c'est un petit peu différent, oui c'est vrai, mais entre voilà, vous allez patienter un petit peu en fonction en fait des images et des vidéos. Si elles sont plus ou moins longues, le rendu sera vraiment plus ou moins long, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez fait. Moi je propose pourquoi pas maintenant de faire une petite pause et de revenir juste après. Allez, à tout de suite. Le rendu est maintenant terminé, on va tout simplement voir ensemble qu'est-ce que ça a donné. Donc allez hop, c'est parti. C'est vrai que l'effet spécial joyeux ou n'importe quel effet vraiment par rapport à un gameplay sur un jeu vidéo ou par rapport à un film, hein, c'est pas vraiment super adapté, je dois bien l'avouer. Mais en tout cas voilà, si vous partez en vacances, que vous avez des photos, des vidéos, etc, etc, je pense que clairement ceci peut être super intéressant, parce que vraiment là je pense que vous le voyez bien, tout est fait automatiquement et c'est vraiment super intéressant. Maintenant on peut enfin passer au
mode le plus palpitant, ça veut dire le mode avancé, le meilleur dans tout ça bien évidemment. Donc let's go les amis, pour commencer, je pense que vous le voyez bien, les nouveautés de la version sont vraiment, pour commencer, le design, vraiment c'est plus sombre maintenant, et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Pourquoi, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je me dis en fait qu'un truc sombre c'est vraiment beaucoup mieux pour faire un montage. Voilà, t'es tranquillement dans le sombre, voilà, tu te reposes un petit peu, tu te fatigues pas les yeux, vraiment je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, et c'est vraiment une super idée qu'ils ont eu. Ensuite également, au niveau des nouveautés, vous avez vraiment beaucoup de nouveautés au niveau des musiques, des textes crédits, des filtres, des superpositions, des éléments, des transitions, et vraiment etc etc, ce qui est tout de même super intéressant. Moi de mon côté, je vais tout simplement mettre dès maintenant une vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc let's go, on va mettre, on va dire, ce petit gameplay. Allez hop, c'est parti, on va tout simplement le glisser juste ici sur le projet, et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, je vais un peu vous présenter tout ça. Donc pour commencer, le commencement, ça veut dire la première option qui sont les musiques. Les musiques ici, vous aurez une sorte de bibliothèque, bien évidemment, je vous le dis maintenant, vous pourrez mettre vos musiques, pas de soucis par rapport à ça, en vous rendant dans fichier, puis ensuite dans importer média, puis ensuite dans importer des fichiers multimédia, hein, pas de soucis par rapport à tout ça. Ensuite, vous avez également les textes crédits, et ça je peux vous l'assurer, c'est une chose qui est super intéressante. Pourquoi, moi de mon côté, je vous le dis maintenant, j'ai fait en fait mon montage des vacances d'été 2016 avec mes potes, avec ceci, et je peux vous l'assurer vraiment, au niveau des textes, hein, je me suis vraiment fait très plaisir, parce que clairement on peut les éditer, et ça vraiment c'est une chose super intéressante. Par exemple, hein, si je mets, je ne sais pas, le petit The End à la fin de mon gameplay, et bien évidemment il n'y aura pas de fond, ça c'est vraiment une chose super intéressante, et je vous montre un petit peu ce que ça va donner. Ça va apparaître tout seul, et vraiment super super stylé. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, vraiment ici vous avez plus de 160 textes crédits, ce qui est une chose super intéressante, hein, je pense qu'on est d'accord par rapport à tout ça. Donc maintenant, vraiment, comme voilà, comme je vous l'ai dit, vraiment il y a quand même beaucoup de choix, et tout ce que vous souhaitez il y sera. Moi j'aime quand même pas mal celui-ci, celui-ci, mais aussi celui-ci, bref vraiment j'aime tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite maintenant, au niveau des filtres, hein, vous avez vraiment plus de 146 filtres, et par exemple les filtres, hein, si j'en prends un, supposons que je vais dans mon gameplay, que je le mets, supposons quand je vais conduire, on va dire un peu ici, que je choisis un filtre assez stylé, on va dire un truc pas trop deg, on va dire supposons le Aibao, ça a l'air assez stylé, et que je le mette, on va dire ici. Alors on va mettre un petit peu le gameplay juste avant pour voir un petit peu la différence, ok. Donc allez hop, c'est parti, là c'est le gameplay sans rien, vraiment normal, tu vois, sans le filtre, et là maintenant il y a le filtre. Ah, faut quand même l'avouer, il est quand même super stylé le filtre en fait, hein. Tu sais, je mets un truc au hasard, et comme par hasard un truc il est super stylé, vraiment un filtre assez stylé. Voilà, si je le remets, supposons, voilà, supposons, bon, je l'ai un peu enlevé sans faire exprès, mais voilà, si je le mets par exemple ici, vraiment le filtre est très très bien fait, avec les arbres etc, ça rend vraiment très très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, on a également les superpositions, donc ça c'est plus, tu vois, vraiment pour, on va dire un petit peu animer le gameplay, tu vois. Par exemple, je ne sais pas, si je mets ça, on va dire juste ici, il y a quand même la différence de là et de quand tu mets ça. Par exemple, ça sert à faire un effet un petit peu soleil, mais tu peux très bien mettre, je ne sais pas, un effet un peu plus fêtard, un effet un peu plus classique. Vraiment, il y a énormément de choses, un effet de style film, hein, comme ce qu'il y a ici, d'anciens films, des nouveaux films, vraiment il y a énormément de choix, il y a vraiment pas mal de choses qui est super intéressante. Et également celui-ci, qui a l'air tout de même assez stylé, si je le mets, ça va donner quoi. Voilà, ça met genre un truc, tu vois, rec, et mais franchement ça rend super bien avec l'eau, en plus c'est vraiment assez stylé. Je sais pas ce que j'aime, le gameplay commence à être vraiment stylé là en fait. Mais voilà, voilà, je pense que vous le voyez bien, il y a quand même pas mal d'options, et c'est vraiment quelque chose de super stylé. Maintenant, au niveau des éléments, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, les éléments, c'est vraiment une chose, le meilleur je pense dans tout ça. Moi en tout cas, pour mes vacances d'été, je me suis vraiment fait plaisir avec le It's Summertime par exemple. Si je le mets là, vous aurez également, hop, ça va apparaître tout seul par exemple, hop, ça va apparaître, hop, It's Summertime, ce qui est super stylé. Si vous souhaitez mettre, je ne sais pas, let's go, dès le début du gameplay, c'est aussi une chose qui est tout à fait possible. Allez hop, let's go, voilà, ça c'est fait, et franchement vous avez énormément de choix, ce qui est super super stylé. Donc maintenant, au niveau des transitions, c'est également une chose assez importante qu'on peut noter, il y a plus de 94 transitions, au niveau des éléments il y en avait 321. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a plus de 321 éléments, et en plus vous pouvez en télécharger sur internet, ce qui est, enfin, si c'est pas un truc de dingue. Supposons que je mette pourquoi pas les étoiles, qu'est-ce que ça va donner, je me demande un petit peu. Donc voilà, je pense que vous l'avez bien vu, vraiment superposition 97, les éléments plus de 320, ce qui est tout de même un truc de dingue, les transitions plus de 94, vraiment il y a tout le choix possible, hein. Les transitions vraiment comme vous le souhaitez, qui vont un petit peu se démarquer de gauche et à droite, qui vont se lâcher, qui vont aller au centre, bref vraiment il y a pas mal de choses, ce qui est super stylé. Et ensuite bien évidemment, diviser l'écran, c'est un point que j'aime énormément. Pourquoi? Alors supposons, pour voilà, je ne sais pas, que je fasse un petit tuto, que je
filme en fait ma console, que je me filme moi et que je filme un petit peu mes mains pour vous montrer un petit peu ce que je fais, et bien là j'aurais besoin de 3 caméras, et en fait les 3 caméras je pourrais les mettre directement tous ensemble, par exemple je ne sais pas avec ceci, ou avec pourquoi pas ceci, bref vraiment je mettrais par exemple ici ma tête, et je mettrais ici la console, et je mettrais ici la télévision ou quelque chose comme ça, bref vraiment il y a pas mal de choses à faire, ce qui est tout de même je pense qu'on est d'accord par rapport à ça également super intéressant. Donc voilà les amis, moi maintenant j'espère tout simplement que le gameplay, enfin plutôt que la vidéo, le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces verts, moi ça me ferait super plaisir, et bien évidemment aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Sosu, allez bye tout le monde.